C'est officiel, le monopole du BMW X6 arrive à son terme. Voici son nouveau rival, le Mercedes GLE Coupé. La recette, elle est la même. Vous prenez un SUV bon teint, vous lui greffez une carrosserie un petit peu plus saillante et vous ne lui réservez que les motorisations les plus puissantes. En l'occurrence, sur cette version, c'est AMG qui s'y colle avec rien moins qu'un V8 5 litres 5 biturbo de 585 chevaux. C'est tout juste 10 de plus que le X6M. Allez, action! Cela faisait 7 ans, autant dire une éternité, que le BMW X6 régnait seul sur la niche de marché qu'il a créée, celle des SUV sportifs carrossés à la manière d'un coupé. Il faut dire que son succès a surpris tout le monde, si bien que la concurrence aura mis du temps à réagir. Mercedes dégaine donc le premier avec ce GLE coupé qui débarque d'entrée avec deux versions sportives AMG fortes de 557 et 585 chevaux. Côté look, Mercedes n'a pas fait preuve d'une imagination débordante. Le GLE coupé s'inspire clairement des proportions générales du BMW X6. On retrouve la même stature imposante ainsi qu'une ligne de pavillon fuyante. À l'avant, le haut capot est barré d'une impressionnante grille de calandre ornée de l'étoile, tandis que cette version AMG reçoit un bouclier spécifique et largement ajouré. De profil, le GLE coupé se distingue par ses flancs sculptés et ses surfaces vitrées réduites. Côté jante, Mercedes a vu grand. La version AMG est carrément dotée de roues de 22 pouces chaussées de pneus en 325 de large. À l'arrière, le GLE coupé se démarque davantage du BMW X6 avec une poupe plus basse et au dessin plus horizontal. Là encore, la déclinaison AMG se reconnaît à son diffuseur noir et ses doubles sorties d'échappement. La bonne nouvelle, c'est que malgré cette ligne de pavillon fuyante, l'habitabilité est très bonne. Regardez, ma tête ne touche pas, j'ai de la place aux jambes et la banquette est très confortable. Bref, on est pas mal. À l'avant, il faudra s'accommoder d'une position de conduite moins typée berline qu'à bord du BMW X6. Les jambes restent davantage fléchies, ce qui peut fatiguer sur les longs trajets. Mais les sièges revêtus d'un élégant cuir maintiennent bien le corps. Pour le reste, la présentation est cossue et la finition plutôt soignée. Forcément, avec 585 chevaux sous le capot, le GLE coupé 63S n'est pas un feignant. Les accélérations sont impressionnantes avec seulement 4 secondes 2 pour le 0 à 100 km/h. La bande-son grondante délivrée par l'échappement sport est tout aussi intimidante. La vitesse maxi, bridée d'origine à 250 km/h, peut être relevée à 280, moyennant une option à 900 euros. Bref, le GLE 63 AMG coupé, il marche très très fort. Enfin, ça, c'est pas vraiment une surprise. Par contre, faut faire gaffe de pas se faire embarquer par son élan, hein, parce que l'engin est quand même très lourd, il y a une forte inertie. En plus, on n'est pas vraiment aidé par cette direction qui n'est ni très précise, ni très informative. En clair, faut rester bien bien concentré sur ce qu'on fait. Hein. Le GLE propose bien une molette baptisée Dynamic Select proposant plusieurs programmes de conduite. Mais même en mode Sport Plus, l'engin donne la priorité au confort avec sa suspension pneumatique de série. En clair, le GLE AMG est un engin très rapide mais pas aussi agile que son grand rival, le BMW X6M. Ce qui ne l'empêche pas d'être affiché un peu plus cher, 141 750 euros très exactement.